Yo les amis, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne secondaire parce que je me suis fait supprimer ma chaîne Live RP, je sais pas pourquoi. Donc je mets ma chaîne en description, abonnez-vous et bonne vidéo les gars. Donc les gars, on se retrouve pour ce premier tuto, avoir n'importe quel objet dans n'importe quelle île avec les droits. Donc si vous voulez prendre ça, si vous voulez copier de ma map, on va faire le glitch ensemble. Donc les gars, pour le glitch, vous mettez un point dans la map, ici comme ça. Et ensuite, vous allez dans votre île. Donc les gars, ensuite, vous prenez un fort de poche plus des robots. Vous jetez le fort de poche là. Vous mettez un robot là, un robot là. Rentrer avec le robot dans la zone et en rentrant dans l'autre robot. Donc là je suis rentré dans le robot, j'ai changé de place directement et là j'ai les droits comme vous pouvez le voir. Je change la zone et j'ai toujours les droits. Donc les gars, ensuite vous allez au pont. Donc là je vais aller au pont. Là, comme vous pouvez le voir, il y a ma map qui s'affiche. Donc voilà, là il y a la zone. Donc j'ai toujours les droits, comme vous pouvez le voir. Donc, je rentre dans ma map. Et si vous voulez sélectionner, je sais pas, un arbre, voilà, vous pouvez le copier. Allez, et copier le truc que je vous ai dit. Voilà, voilà, copier. Donc voilà, vous pouvez copier tout et n'importe quoi. Et donc pour mettre dans votre kill, vous sautez comme ça. Ça va vous faire retourner à la clé, ça va bugger, voilà. Réapparition. Et ça vous emmène sur votre map. Et ensuite, vous avez tous vos objets. Voilà. Donc les gars, on se retrouve pour le deuxième tuto, le système du cannabis. Donc il vous faudrait des plantes, donc voilà, vous construisez comme vous voulez. Donc il vous faudrait personnaliser un déclencheur. Donc les gars, vous mettez les mêmes paramètres que moi, c'est les meilleurs. Donc déclencher par jour, non. Donc vous mettez les mêmes paramètres que moi. Nombre de déclenchement infini. Vous mettez les canaux que vous voulez, donc moi j'ai mis canal, voilà. Ensuite, vous avez besoin d'un générateur d'objets. Donc moi la 8 c'est du bois, donc moi je prends du bois. Donc moi j'ai pris du bois, j'ai mis combien je veux, donc moi je vais en mettre 20, voilà. Et ensuite vous mettez les mêmes paramètres que moi, réapparition des objets, vous mettez, vous copiez les mêmes paramètres que moi. Vous mettez faire apparaître l'objet si reçu depuis canal, voilà. Vous choisissez et ensuite vous prenez ça, vous le mettez ici comme ça, voilà. Vous prenez ça, vous le mettez où vous voulez, donc moi je mets là, voilà. Donc on va lancer le jeu. Il faudrait aller devant et de piocher 20 fois. Je prends normalement. Voilà, il y a de la 8, voilà. Donc voilà, c'est un tuto comment à faire un système de 8, donc voilà. Donc les gars, pour le troisième et dernier tuto, le système de fin, donc vous mettez un séquenceur, un volume de dégâts et vous mettez deux déclencheurs. Donc on passe aux paramètres. Donc vous copiez les mêmes paramètres infinis, tout ça, vous copiez les mêmes paramètres, j'ai les meilleurs paramètres, donc voilà. Voilà. Ensuite vous passez au volume de dégâts. Donc là il faudrait choisir, donc largeur vous mettez 100 partout 100, comme ça ça fait sur toute la map. De dégâts vous mettez 2 dégâts combien vous voulez.
perte de dégâts, vous mettez combien. Moi j'ai mis une minute moins de dégâts, donc voilà. Ensuite vous choisissez, vous mettez aussi les mêmes paramètres. Affecte les joueurs, oui. Vous mettez les mêmes canaux que moi, donc voilà. Activez si reçu depuis, désactivez, voilà. Ensuite vous prenez un déclencheur, vous mettez les mêmes paramètres. Donc canal, mon canal, vous mettez mon canal, donc voilà. Ensuite mettez un deuxième déclencheur, vous mettez le canal suivant, donc voilà, vous mettez mon canal, le canal suivant. Puis vous prenez un comme ça et vous mettez un canal ici, voilà. Donc voilà, j'ai mis ma ligne, donc vous avez compris. Vous prenez les deux canaux et vous le mettez dans la zone. Donc moi je l'ai mis. On va lancer pour le jeu pour voir si ça marche ou pas. Donc là j'ai 100 PV. On va lancer le jeu pour voir si je perds des PV. Voilà, j'ai perdu des PV et donc dans 60 secondes je vais reperdre 2 PV. Donc voilà.